Hey! J'espère que vous êtes tous confortablement installés sur vos sièges avec un café, un chocolat, etc. Si c'est pas le cas, bah, je vous attends. Non, mais allez-y. Aujourd'hui, je reviens avec un haul fringue mode. Je suis tout le temps sur les sites, sur Asos, sur Boohoo, sur Miss Guy. Donc, je vais vous montrer mes derniers coups de cœur, mes derniers vêtements, mes derniers achats, mes derniers envois. Et j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, je sais très bien que vous préférez quand on vous montre les vêtements portés. Mais pour cette vidéo, encore une fois, je suis désolée. Je vais un petit peu vous décevoir, mais je vais pas les porter pour la simple et bonne raison que je pense soit faire un lookbook avec ces vêtements-là, soit faire des tenues du jour. La première chose dont je veux vous parler, c'est cette chemise. Moi, j'adore les chemises en jean. Après, je suis pas très originale parce que j'ai envie de dire c'est la grosse tendance de nains à cette période-là. Ça fait un moment que c'est la tendance. J'en avais une que j'avais chopée, je crois, sur Yours Clothing, qui est devenue trop grande et surtout qui avait des perles ici qui étaient très très jolies, mais au fur et à mesure des lavages les perles sont parties. Pourquoi je parle super vite? On croirait que je vais prendre un train, au secours. Putain, il faut de la ventoline là. Et donc du coup cette chemise elle vient de chez Blancheporte. Et sur moi, ce que j'essaie, ce que j'achète, ce que je porte, c'est vraiment pour moi la meilleure qualité et ça dépasse même Asos. Donc cette chemise en jean, je vais vous la montrer. Donc elle est comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il voit bien? Oui, vous avez un gros plan sur ma tête. Elle est comme ça. Donc elle tombe vraiment, est-ce qu'ils vont voir? Elle tombe vraiment super bien, voilà, comme souvent les vêtements de chez Blancheporte, j'aime beaucoup beaucoup comment ils taillent, ils sont très très bien taillés. Donc c'est une chemise manche longue et je l'adore, je trouve que pour cette période intermédiaire c'est parfait. J'ai soufflé! Comme d'habitude tous les liens seront en barre d'infos. J'aime beaucoup la couleur, je la trouve juste super jolie. Donc voilà. Alors cette année, en parlant de tendance, on est ici dans la tendance gros manteau, en fait, les grosses pièces, les tendances, justement les doudounes courtes, les doudounes avec des grosses capuches, avec de la moumoute de couleur, de la fausse fourrure rose, verte, bleue, etc. J'adore les doudounes tout simplement parce que je trouve que c'est hyper confortable, ça tient hyper chaud et surtout ça se met un peu avec tout. Donc j'en ai une courte que je vais vous montrer, donc la voici, donc elle est couleur ivoire et je l'ai eu donc sur... également Blancheporte. Donc elle est comme ça, il n'y a pas de grosse surprise, c'est une doudoune classique qu'on connaît tous. Par contre elle tient super chaud. Ce que j'aime beaucoup c'est le fait que les poils là c'est amovible. Vous voyez au niveau de la capuche vous avez des petits boutons, si vous voulez retirer les poils vous pouvez les retirer. Ce qui est bien parce que souvent sur ce type de doudoune au bout de quelques temps quand vous l'avez porté, que vous avez pris la pluie etc. les poils deviennent moches et donc je trouve ça vachement pratique. L'an dernier sur ma doudoune j'avais pas de capuche, c'est quelque chose que j'ai regretté parce que quand je prenais les transports, que je me tapais donc le parapluie dans une main, la gamelle dans le coude et le sac à main, enfin c'était juste chiant. La capuche, bon c'est sûr que c'est pas très, très esthétique une capuche, mais on s'en fout du moment qu'on n'est pas, pas trempé. Et elle est courte, elle m'arrive juste en dessous des fesses, c'est une doudoune courte, dite courte parce que c'est pas vraiment court, mais je la trouve en plus toute douce. Si vous voulez voir les vêtements portés, je vous invite à aller sur mon Instagram parce que je poste pas mal de looks et je suis certaine que je posterai un look avec cette doudoune. On continue chez Blancheporte avec cette pièce qui est un gilet en fait en espèce de poil comme ça, j'adore, c'est la tendance cet hiver je vous le cache pas, puis c'est surtout la couleur quoi, il est jaune et l'idée pour moi c'est de porter en fait cette chemise avec ce gilet, je vous montrerai en temps voulu. Donc c'est un gilet en fait tout simple hein, dans l'idée, voilà il se ferme avec des petits boutons et en fait comme ça il peut ne pas payer de mine, il a des jolies poches sur le côté, il est hyper doux, mais en fait l'idée c'est que je compte faire un look 100% de nain avec donc cette pièce là et peut-être une ceinture marron, je vais voir, je vous montrerai de toute façon. Et voilà cette pièce là pour moi c'est un peu le gilet mamie une fois de plus, mais j'adore en fait avec une pièce qui est complètement tendance, ça peut vraiment donner un coup de truc sympa, surtout que bah, le jaune c'est encore une fois la mode cet hiver, donc pour ceux et celles qui adorent je vous invite à foncer et bah, il est super beau en fait, je sais pas quoi dire de plus. Dans ce style là aussi je me suis prise un pull chez Bon Prix cette fois-ci, donc c'est un pull un peu dans le même délire en fin de compte avec de la laine comme ça, avec des poils qui ressortent, c'est pareil, c'est vraiment la mode. L'an dernier je m'étais commandé une robe pull de ce style là qui est devenue trop grande, je l'avais eu sur Miss Guide je crois, et du coup quand j'ai vu qu'il existait en pull en plusieurs couleurs, bah, je trouvais que c'était hyper joli parce que déjà c'est je trouve que c'est le genre de pièce confort, c'est très agréable à porter et ça a toujours son petit effet, ce petit truc en plus, ça reste un pull avec un col rond, enfin il est hyper simple en soi, mais déjà la couleur blanche comme ça, je porte très peu de blanc donc je trouve que c'est sympa, et puis bah ça fait tellement, tu sais le truc où
où t'as envie de t'endormir dedans et t'as pas envie qu'on te parle parce que t'es en mode cocooning. Et ce mot, en fait, depuis qu'il a été utilisé 6000 fois sur YouTube, je peux pas me l'empiffrer. Empiffrer, mélange entre encadrer et papiffrer. Je fais ce que je veux sur ma chaîne, merci. Je l'ai porté et je l'ai mis sur mon Instagram, donc vous retrouverez le lien en barre d'infos. Alors là, on va partir sur une pièce classique qui est donc le fameux pull à col roulé. Parce que je trouve que, en fin de compte, quand tu sais pas quoi mettre et que tu veux mettre un jean un peu destroy ou un jean un peu plus original, le pull en fait à col roulé, je trouve que c'est un intemporel. Et c'est vrai que ça fait partie de ces pièces qu'on doit avoir dans son armoire. Donc, achète-toi des mains. Il est en couleur marine, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un pull à col roulé, mais la qualité est quand même sympa, donc je l'ai eu sur bon prix. Il existe en plusieurs couleurs. Tu mets ça, c'est d'une simplicité certaine. Tu vas mettre un jean simple, mais par contre, tu vas mettre un gros collier et tu vas miser sur le maquillage. Et c'est simple et efficace. Je ne cache pas que c'est la tendance des robes pull. Je m'y essaye parce que c'est pas forcément des pièces que j'ai l'habitude de porter. Mais j'ai appris que même si j'ai des hanches assez rondes, etc., que le moulant, c'était pas forcément le plus moche sur moi, voire que les robes m'allaient mieux que tout ce qui était pantalon. Donc je m'y fais petit à petit et pour venir à la pièce dont je voulais vous parler, c'est cette robe pull. Donc en fait c'est une robe pull à col roulé, voilà, et elle a des espèces de surpiqûres noires, je sais pas si vous verrez, comme ça. Là comme je suis en train de refaire toute ma garde-robe d'hiver parce que j'avais strictement rien à mettre pour être claire avec vous, je suis partie sur des pièces basiques que je vais accessoiriser et en plus... Ça tombe bien parce que les basiques sont très tendance cet hiver. On parle des robes pulls, on parle du jean. Clairement, cette robe est parfaite. Pareil, hein, je vous la mettrai en photo sur Instagram. Elle est simple et je l'aime beaucoup. Je l'ai prise en noir parce que comme ça, il n'y a pas vraiment à se casser la tête sur la couleur. Je vous ai dit que j'adorais les doudounes et comme j'en avais pas assez d'une, du coup, j'en ai prise une chez Bonprix. Mais c'est pas la même. Vous savez cette phrase qu'on sort à nos copains quand on achète une paire de chaussures pour la millième fois et qui nous disent « Mais t'as pas déjà une paire d'escarpins ?» C'est pas la même couleur, c'est pas la même forme. Regarde, le talon est moins haut. Cette nuance que seule... nous comprenons. Cette doudoune du coup donc vient de chez Bonprix et j'ai remarqué que lorsque c'était la collection Jen Benner je crois, c'est toujours une super qualité. Donc celle-ci pour le coup elle est longue, alors je vous l'ai mise en photo sur Instagram, j'ai retiré la photo je crois. Moi il me dit très efficace, toujours efficace. Mais bon, c'est une doudoune en fait qui est pour le coup vraiment une grosse pièce, vraiment assez lourde et finalement très 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 chaude. Et ce que j'ai bien aimé, c'est en fait la poche que je trouvais sympa, surtout à l'intérieur où il y a du... comment ça s'appelle? De la polaire couleur bleu marine, simple encore une fois, avec la capuche. Alors par contre, je vais juste vous montrer un truc. Il y a légèrement un problème de taille. Je sais pas ce qu'il faut avec les capuches, mais c'est toujours comme ça. Il n'y a pas que les gamins qui ont l'air cons dans la rue, parce que les gamins ils sont là, ils subissent, ils marchent avec la capuche et tout. Et nous c'est pareil, tu peux pas avoir la classe, t'as toujours l'air con, t'es toujours ridiculisé là. Il y a un truc. J'ai reçu ce joli petit pull gris. Alors faut savoir que moi je porte très rarement du gris en fin de compte, et celui-là je le trouve juste super beau. En fait il a un long décolleté entre guillemets qui fait que moi il va retomber sur l'épaule et je trouve ça super élégant et super sexy. Donc il est en laine tout simplement. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille XL et il est vraiment joli en fait. Il est d'une simplicité encore une fois. Il y a un point en fait qui... ma mère saurait dire quel point c'est. J'ai un peu l'impression que c'est du point mousse en fin de compte. Pour ceux et celles qui tricotent ou qui connaissent un petit peu le tricot, c'est comme un point mousse et il fait vraiment bonne qualité. Encore une fois, je suis très surprise en ce moment de la qualité des sites chinois qui m'ont sollicité pour m'adresser des articles afin que je vous en parle et que je puisse donner un avis, mais je suis vraiment surprise. Côté ça tombe sur l'épaule, en plus avec mon tatouage, du coup je trouve ça fait super joli. Là on va partir sur un sujet où je suis juste trop contente. Le problème c'est que les bottes pour les mollets ronds, ça coûte extrêmement cher. Si tu en veux une vraie paire de qualité sur laquelle tu vas pas te planter, la plupart du temps faut lâcher 150-200 boules. Donc autrement dit, non merci. J'ai trouvé cette paire de bottes que je peux fermer chez Blanche Porte. Tindin ! Voilà, la paire de bottes simple, hein, avec un talon qui a un petit détail un peu plus clair au niveau de la semelle. Pour moi, c'est plat, hein, clairement. Donc voici cette paire de bottes. Au niveau de la largeur, je dirais que ça va jusqu'à 48 cm à peu près, quelque chose comme ça. Et c'est très très élastique parce que ici, en fait,
Cette partie-là, j'ai l'impression que c'est élastique. Non, pas du tout. Non, tu dis de la merde. Cette paire est hyper confortable. Je pense que ça a été vraiment fait pour les mollets ronds. Quand on regarde ici, vous voyez, c'est plus haut devant que derrière. Et le mollet très fort va vraiment... C'est ici où il va y avoir un bourrelet de mollet, en fait. C'est là où il va y avoir le problème. Et en fait, ça a été, j'ai l'impression que ça a été dessiné par rapport à ça. Et quand on regarde, c'est très très élastique. En fin de compte, vous avez déjà l'élastique ici au niveau de la sangle. Vous avez cette partie-là qui est élastique, ça a vraiment été fait pour des mollets ronds. Donc je trouve cette paire vraiment jolie et je suis vraiment contente. Donc voici mon gros coup de cœur. Je suis vraiment trop contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.